Doamne lor și domnilor, ladies and gentlemen, this is the main event presented by Rudolf Obreja in association with Interbox and Joe DeGuardia Star Boxing. This is it, 12 rounds of boxing for the IBF Super Middleweight Championship of the World. Sanctioned by the International Boxing Federation, IBF Supervisor Inside is the Championship Committee Chairman, Mr. Lindsay Tucker. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, from Bucharest, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing blue, official weight, 75.3 kilograms. In 30 professional fights, 29 victories, including 60 knockouts with one draw. From France, the challenger, the IBF number one ranked super middleweight contender in the world, Jean-Paul Mendy. And fighting out of the red corner, wearing red, yellow, and blue, officially weighing 76.15 kilograms. In 28 professional fights, 28 victories, including 23 knockouts. He is the fighting pride of Pechia, Carlat, Romania, the reigning, defending IBF Super Middleweight Champion of the World, Lucian Bute! Alors, nous aurons droit au petit face-à-face habituel. Alors, tout de suite, on y va avec les mensurations. Et là, on voit que Bute 6 pieds et 2 comparé à 6 pieds pour Jean-Paul Mendy. Les poids, pas grande différence. Mendy un peu léger à 166, 2 livres en bas de la limite, oui, et une portée de 1 pouce de différence entre les deux. Lucian Bute qui va pour une 29e victoire en autant de combats. Et il a gagné ses 5 derniers combats par knockout. Alors, c'est le premier round, Bute. Pilote bleu, jaune et rouge. Et dans le cas de Jean-Paul Mendy, ben, il est presque toujours habillé de la même façon, lui. Une culotte bleue et ses longs bas bleus également. Alors, deux gauchers qui s'affrontent. Le dernier adversaire de Bute était gaucher également, Brian McGee, c'est moi. C'est ça, j'étais pour dire qu'il y a eu une bonne préparation, oui, avec McGee de... oui, pour préparer contre un autre gaucher. Il y a déjà la foule qui embarque. Derrière le champion qui en est à sa première défense devant son public. En fait, c'est son premier combat professionnel devant ce public roumain. Et il a mentionné cette semaine qu'à la fin de sa carrière, il va quand même rester, il va s'établir au Québec, il n'y a pas de problème, mais qu'il va toujours, toujours garder des liens très étroits avec la Roumanie, qu'il va aller visiter à l'occasion. Au moins 3-4 fois par année, sa parenté, ses amis là-bas. Écoute, JP, c'est tellement rare que des gens peuvent venir établir dans un autre pays et que le pays non seulement les accueille, mais qu'ils deviennent des grands vedettes et, ouais, des héros. Il, ouais, est héros dans deux pays. Exactement. C'est, ouais, assez rare d'être héros dans un pays. Il était assez chanceux d'être héros dans deux pays. Ben, dans le cas de Lucian, il y a plusieurs choses qui jouent en sa faveur. Évidemment, il est bon parce qu'il est champion du monde depuis un petit bout de temps. Puis même, non seulement bon, il est excellent, il vient de passer bonne main gauche ici. Et c'est un gars excessivement sympathique, facile d'accès.
Écoutez, c'est de l'or en vase, vous voyez. Absolument. Alors, les gens de la Roumanie le savaient, les gens de Montréal ont appris à le connaître. Alors là, Lucian qui déjà prend des pauses là, qu'on lui reconnaît facilement, avec la main droite très basse. Je sais que des fois, ça te fatigue, ça, quand tu fais ça, mais... Surtout contre un autre gaucher. Ouais. Contre un droitier, c'est pas nécessairement si grave que ça, mais contre un droitier... contre un gaucher, c'est un problème contre la main gauche. Oui, parce que son côté droit est complètement ouvert. À date, j'étais pour dire, avant le combat, que Mendy, il faut qu'il s'impose. Il peut pas laisser Bute s'imposer de bonne heure. Puis, de qu'est-ce que je vois de Mendy en partant, il a pas l'air à vouloir imposer gros. Il veut tester, voir qu'est-ce que Bute a comme faire. Il teste beaucoup, tu sais, de pas se faire toucher. C'est pas aussi grave que le comportement de David Hay lors de son combat contre Klitschko la semaine passée, mais à date, première ronde, c'est pas loin. Bon, alors, évidemment, Mendy fait comme beaucoup d'autres. Vers la fin du round, tente une petite explosion pour essayer de changer la vie. C'est ça. Fait que premier round est digne de combat de Lucian Bute, c'est-à-dire s'établit tranquillement, pas vite. On va écouter Stéphane dans son poste, ça va l'entendre. Et là, tu vois tout de suite Jean-François Bergeron qui s'en occupe de les... C'est pas juste une sac à glace, deux! Pour garder... Mais garde aussi, ils font ça dans le coin de l'île. Oui. Donc, ça, faut dire que c'est quelque chose de très, très bien. Fais attention de ne pas t'endormir. Et tu vois, on n'a pas vu encore le uppercut de gauche au corps de Bute. Et comme j'avais parlé à Stéphane Larouche, il m'avait dit, lors de le combat contre Brian McGee, c'était une horde, c'était une stratège, ça faisait partie de leur stratège dans le combat, de ne pas envoyer l'uppercut avant la cinquième ronde. Ouais. Tu sais, de vraiment pas l'envoyer, de ne pas démontrer que c'était un outil, puis essayer de surprendre l'adversaire. On va voir s'ils continuent cette méthode de pensée dans ce combat-là ici contre Mendy, essayer de l'endormir avant de placer l'uppercut. Mais si Mendy et son coin et son entourage ont fait leur devoir, ils doivent savoir qu'il a cet uppercut. Oui, mais le problème, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que ça va partir. C'est ça, tu commences à le démontrer tout de suite, plus porté à l'attention. Tandis si que tu l'oublies, là, et ça vient de nulle part. En fait, c'est de mélanger, qu'il soit mélangé dans sa tête. Quand il est mélangé, là, tu rentres dedans. Bonne explication. Alors, Mendy ne démontre pas grand-chose en début de combat. Il est timide un petit peu face aux attaques de Bute. C'est rarement lui qui initie l'action. Et tu vois, quand c'est lui qui lance le premier coup, c'est un petit jab sans aucune conviction. C'est ça. Mais attention quand même à sa main gauche. S'il est capable de déployer sa main gauche, il a déjà fait beaucoup de dommages dans des combats précédents avec sa main gauche. Oui, et c'est pour ça. Il est assez bon cogneur, assez respectable, surtout avec la main gauche. Tu parles de Mendy. Oui, de Mendy. Oui, assez respectable. C'est pour ça que des fois, j'aime pas le fait contre un gaucher que d'avoir le bras. Mais quand il approche... Tu vois, l'uppercut, c'est Mendy qui l'a lancé, l'uppercut au menton. Il n'y avait pas tellement de puissance. Petit crochet de la gauche maintenant, de la part de Mendy. Oh, attention, bon uppercut de Lucian. Oh, que la tête de Mendy y a goûté là-dessus. Et là, est-ce qu'il est déjà en train de préparer l'uppercut au foie? En tout cas, il a démontré c'était quoi l'uppercut au menton. Mais Mendy tout de suite qui se colle, et voilà la rafale de la part de Bute. Et là, Mendy, on l'a mentionné, il faut faire attention, c'est un gars qui à quelle occasion peut être salaud avec sa tête surtout. On l'a vu se coller pas mal sur la tête de Lucian, sans dommage cependant. Et la foule qui embarque de plus en plus dans le combat parce que là, Lucian a démontré de belles choses. À la défensive maintenant, Mendy
qui n'a pas beaucoup de cibles, mais quand même réussi à placer quelques coups à la tête du champion. Mais je ne sais pas, c'est juste moi ou je ne sens jamais l'impression que Mendy veut s'imposer. Il vient d'en passer une botte gauche, par exemple. Mais cependant, la réplique de Bute. Oui, mais avec pas aucune conviction. Non, là, non, on dirait. Non, les coups isolés. Parce que oh, de temps en temps, je suis obligé de donner un coup de poing. Et c'est la fin du deuxième heure. Ben, en tout cas, dans ce round-ci, on s'est aperçu que Lucian commence à trouver ses repères. Il a placé des bons coups de puissance. Mais Mendy, en revanche, a réussi des coups isolés, mais bien placés également. Mais dans l'ensemble des coups, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous l'attendez bien dans le coin? Oui, pas tant. Non, moi non plus. Regardez ça. Là, c'est l'uppercut à l'attaque, ouais. Faut dire que Mendy en avait placé un, lui aussi, auparavant, mais pas aussi puissant que celui-là. Oh, ça en est un reste. Puis tu vois que le bouteille, c'était à peu près à 50 % de sa force, oui, ça aussi. Oui. Tu sais, c'était pas des coups de knock-out, là. Juste toucher pour toucher, là. Oui. Alors, troisième round maintenant. Lucian Bute, Jean-Paul Mendy, championnat du monde, super moyen IBF. Les deux premiers rounds, selon la carte de pointeur de Ross Amber, vont à Lucian Bute. Et là, attention, c'est un coin dangereux parce que Lucian souvent se fait mettre dans le coin et tourne la situation. Oui, mais regarde qu'est-ce qui est arrivé là. Bute, il avait les dos d'un câble. Et Mendy a reculé. Ouais, c'est pas fort. Mais peut-être qu'il a vu d'autres combats de Bute et vu que Bute, de temps en temps, renverse son adversaire et c'est là que ça devient dangereux. C'est ça qu'il a fait avec Edison.